وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقول تعالى قل أعوذ برب الناس. Donc il a cité aussi la parole d'Allah Ta'ala قل أعوذ برب الناس. Donc Allah Ta'ala il a ordonné dans le Coran, on lui demande la protection. قل, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قل, dit. Et il dit à la Umma à travers aussi, c'est un ordre pour toute la Umma, أعوذ برب الفلق. Je prends protection auprès du Seigneur du jour levant. قل أعوذ برب الناس. Dis, je prends protection auprès du Seigneur des hommes. Donc, tu ne demandes pas la protection auprès d'autres que lui, subhanahu wa ta'ala. Amma, demander la protection, par exemple, comme les Sahaba, ils faisaient quand ils étaient à la Mecque et qu'ils étaient persécutés et que chacun était sous la protection d'un noble de la Mecque. Ça, c'est une chose qui rentre dans la demande permise. Comme ils étaient faibles et ils étaient persécutés, alors ils étaient chacun sous la protection d'un noble de la Mecque ou des familles nobles. Pourtant, c'était des koufars, mais ils étaient sous leur protection. Et eux, ils les protégeaient pour des intérêts. À l'époque, c'était des intérêts tribaux, des intérêts. Ils avaient la parole, le kalima. Un arabe, pour lui, tu lui demandes protection, c'est-à-dire tu l'as honoré. Donc, il ne doit pas trahir l'honneur que tu lui as donné. C'était une question de principe. Ça, c'est aussi une réponse aux takfiriyin qui disent comment ça se fait, certains pays musulmans, ils demandent protection à des pays de kuffar. Hein? Quand on est faible, on prend les moyens qu'on a autour de nous. Normalement, on n'a pas besoin d'eux. Mais quand on est faible, ce n'est pas le même cas que quand on est fort. Quand les musulmans étaient faibles à Mecca, ils ont eu besoin que certains kuffar les protègent. Quand ils sont devenus forts, ils se sont passés des koufars. Ils se sont passés de leur aide. Qui protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après Allah, tabarak wa ta'ala? Mais Allah, il a choisi qui comme cause pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était à la Mecque? Qui? Son oncle Abu Talib, un kafir. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, quand il est mort, c'est là que c'est devenu de plus en plus difficile sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'était plus là pour le protéger. Wadi? Non. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا